Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, expert chez Agritel. Alors Alexandre, tout d'abord, meilleurs vœux. Meilleurs vœux également Anne-Sophie et puis meilleurs vœux à nos internautes. Alors Alexandre, en ce début d'année 2017, quelles sont les grandes tendances pour la seconde partie de campagne en céréales ? Alors en blé, pour commencer, je dirais que l'élément clé, c'est le fait de se dire qu'on a un marché français qui est finalement tendu à cause de la très mauvaise production, alors qu'on a un marché mondial qui est vraiment très bien approvisionné avec les bonnes récoltes en Australie, en Argentine, etc. Ce qui fait que sur le marché mondial, ça paraît assez compliqué de revoir un rebond des cours. On pense même que les origines mer Noire sont chères par rapport aux origines de l'hémisphère sud. Par contre, sur notre marché français et le marché européen en général, en termes de prix, si le marché mondial corrige encore un tout petit peu, on pourrait réussir à ne pas trop dévisser, vu qu'on a un bilan européen qui est assez tendu. On garde à l'esprit également que l'euro faible, c'est vraiment un élément de soutien important pour nos prix, et c'est ce qui permet d'éviter d'avoir des prix très faibles aujourd'hui. Et en maïs ? Alors en maïs, on a une situation qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'en termes de production, c'est la même chose, c'est-à-dire un marché français avec une mauvaise production, un marché mondial bien approvisionné. Mais là, il y a une question de timing qui est importante et sur du rapproché, on a une bonne demande pour le maïs français. Alors que plus on va avancer sur la deuxième partie de campagne, plus il y aura de la concurrence des origines importées, notamment les Américains qui pourront plus exporter de maïs, puisqu'aujourd'hui les chargements sont limités par les chargements de soja. Et puis l'Amérique du Sud qui va devenir disponible, donc d'abord l'Argentine, puis le Brésil, qui vont avoir des grosses récoltes cette année. Donc en maïs, on a plutôt un scénario où sur le rapproché, ça doit se tenir, mais sur de l'éloigné, ça paraît un peu plus compliqué, quoi. Et est-ce que le scénario est le même en oléagineux ? Alors oléagineux, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a des huiles qui sont très tendues, donc c'est difficile de dire jusqu'où peut aller un marché qui est si tendu que ça. Un soja, par contre, qui est plutôt lourd quand on regarde les bilans de l'USDA. S'il n'y a pas de problème sur la récolte de l'hémisphère sud, notamment en Argentine, les prix pourraient dévisser un petit peu. Donc dans ce contexte-là, il y a deux éléments qui s'opposent et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un point de vue tranché sur le marché. On pense par contre que pour les producteurs, les niveaux de prix sont rémunérateurs en colza et donc d'un point de vue stratégie, en tout cas, c'est intéressant de marquer des prix sur le colza aujourd'hui. Et est-ce que vous avez déjà des éléments de réflexion sur la récolte 2017 ? Oui, déjà des éléments, donc des gros stocks de début de campagne en blé, notamment en Russie, en Australie, aux États-Unis. Donc même si on a une production qui baisse un petit peu parce qu'on a des rendements moins bons que l'an dernier a priori, on aura quand même beaucoup de blé sur le marché mondial. L'autre élément qui est intéressant sur la nouvelle campagne, c'est de se dire qu'il y aura également une grosse concurrence du maïs sur brésilien, notamment entre les mois de septembre et décembre, qui, pareil, pourrait tendance à pénaliser un petit peu les prix. Donc en céréales, bon, rien n'est fait. Hein. Il faut attendre le printemps, évidemment, pour savoir quels seront les potentiels de rendement. Savoir également s'il y a eu des dégâts de gel aux États-Unis à la mi-décembre avec le gros coup de froid qu'il y a eu là-bas. Mais dans tous les cas, on part quand même sur un scénario qui est plutôt lourd, bien approvisionné pour l'an prochain. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à mon avis, pour les producteurs ? Je pense que la règle clé, c'est quand même de vendre des produits qui rapportent un petit peu d'argent. Donc notamment le colza aujourd'hui avec des prix rémunérateurs. Le maïs dont les prix sont corrects, même si évidemment ça ne compensera pas les rendements catastrophiques. Et puis se dire qu'en nouvelle campagne, il y a peut-être des choses intéressantes à faire en colza, vu que les prix sont assez intéressants et que, bon, toujours en étant assez sécuritaire sur les volumes engagés hein, pour ne pas engager trop de volume par rapport à la récolte qu'on n'a pas encore mis dans les bennes, quoi. Merci Alexandre, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de planchamp.com.